Une information fiable, c'est une information qui est, à mon sens, recoupée par plusieurs sources. C'est une source sûre. Pour moi, c'est une information qu'on peut facilement retracer, qui n'est pas du domaine de la rumeur, voilà, qui a été fait avec un travail sérieux. Pour moi, il faut connaître l'informateur. Une information fiable, c'est une information qui est diffusée par des organismes qui ne sont pas sous influence, quelle qu'elle soit, ni politique, ni syndicale, ni religieuse. Qui produit les fake news, le Gorafi. Moi, l'endroit où j'en vois le plus, c'est sur les réseaux sociaux. Pareil, tout ce qui est le phénomène de la rumeur, les news un peu sensationnelles, qui sont, on va dire, répétées, amplifiées sur les réseaux. Donc ça peut être des faux journalistes, des politiques même, des fois, j'en sais rien. Ce sont plutôt les médias qui sont en face, en concurrence, qui veulent produire de nouvelles informations. Pour moi, ce sont des médias qui diffusent des informations fausses et qui sont des médias organisés, prévus pour prendre le contre-courant des médias habituels. C'est d'une part les journalistes, d'autre part les réseaux sociaux qui mettent des fois des fausses rumeurs. Qui produit les fake news ? Des gens qui ont intérêt à manipuler l'information dans un but pas forcément positif. Qui produit des informations fiables? Je dirais le gouvernement et différents professionnels concernant des informations qu'ils transmettent. Les gens qui combattent les fake news? Ceux qui font un travail d'enquête sérieux? Le journal de presse? Ce sont des médias qui ne sont pas sous influence, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas qui sont apolitiques. Plus confiance aux médias sociaux ou aux médias de presse? Médias de presse, car les journalistes sont sur le terrain. Tout dépend des médias de presse, bien évidemment. Les médias sociaux, attention, ils ne sont pas sous contrôle, donc puisqu'il n'y a pas d'organisme pour les contrôler. Moi, j'aurais plus tendance à faire confiance aux médias de presse, parce que voilà, médias sociaux, il y a un petit peu ce côté faire dans le sensationnel, voilà, ce qu'on peut appeler le buzz, les choses comme ça. Pour moi, il faut plus avoir confiance aux médias de presse. Leurs sources sont fiables, alors que les médias sociaux peuvent être leurs sources peuvent être influencées et ils peuvent donner des informations qui sont parfois erronées. On peut le voir dans différentes élections qui sont passées il y a quelques années. Ça m'est difficile de tirer une généralité de l'un ou de l'autre, parce que ça va dépendre de la nature de l'information et qu'est-ce qui est en effet. Le lancement du débat, on va être plutôt concret. On a quand même une petite question d'abord. Est-ce que les citoyens n'ont pas une opportunité aujourd'hui, dans un climat extrêmement pesant de l'information des fake news, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour se réapproprier la recherche d'une info fiable, justement, d'une info vérité, plutôt que de la consommer? Absolument, parce que bien sûr qu'il y a, en clair, faire écho aux réponses et qui étaient souvent pertinentes. Le café du commerce, ça a toujours existé. La rumeur, ça a toujours existé. Les fausses nouvelles, ça a toujours existé. Quelle est la nouveauté? C'est que technologiquement, il y a des machines qui font que ça se répand beaucoup plus. Mais en même temps, technologiquement, le fait de contredire les fausses nouvelles, de les démonter, de rectifier, y compris, on parlait avant de comment on va raconter des bobards sur les quartiers populaires, tout de suite, les quartiers populaires disent « mais ce que vous nous avez raconté, c'est faux, et je vous le montre. Je vous montre les photos, je vous montre la réalité de ce que nous vivons. » Et donc, c'est aussi une possibilité de contrôle participatif. Donc, après, c'est une bataille, c'est-à-dire que c'est un espace public, digital, dans lequel il y a aussi des bêtes sauvages. Et moi, je voudrais juste dire quand même une réponse en complément de ce que j'ai entendu. Aux États-Unis, le premier producteur de fake news, il est président de la République, enfin les États-Unis. Voilà. Donc, voilà, c'est pas que. Il y a cette idée de dire le peuple là qui pense mal. Donc, la plus grande fake news qu'on ait connue, peut-être, c'est le lancement de la guerre de l'Irak. Mais le mensonge sur les armes de destruction massive. Et on pourrait en trouver d'autres. Mais alors, pour avancer dans la question posée, qu'est-ce qu'une information fiable? Moi, j'ai trouvé que la première réponse qui disait, elles étaient plusieurs à dire, recouper, travailler. Une information fiable, c'est
Bien sûr que, à terme, l'image d'un journal, c'est de créer de la confiance où on se dit, si c'est dans Mediapart, c'est sérieux. Bon, mais comment on obtient ça? On obtient ça en montrant que des nouvelles, y compris inattendues, incroyables, impensables, nous les avons, comme dirait un artisan, usinées. Nous avons travaillé, recoupé, vérifié, réfléchi, tourné notre langue dans notre bouche, réfléchi avant d'appuyer sur le bouton. Vous en avez eu un exemple. Souvenez-vous, ça s'appelle l'affaire Cahuzac. 4 mois de bataille où tout le système politique et tout le système médiatique disaient « c'est pas vrai ». Alors tout le monde avait tout sur la table. Et c'était tellement fou de se dire, nous on savait, on a fait 4 mois d'enquête. On avait tous nos éléments et on avait plus que ce qu'on pouvait dire puisqu'il y a la protection des sources. Et on se dit, mais c'est pas possible, on se heurte à quoi? On se heurte à dire, c'est pas possible que le ministre du budget, chef des impôts, soit lui-même un fraudeur fiscal. Et on voyait tout un réseau... de communicants, de tout ça. Et c'est là où j'ai fait une partie de la profession à trouver ça trop audacieux. J'ai dit, c'est pas possible. Le pouvoir disait, c'est la justice. Mais c'est pas vrai. C'était une plainte en diffamation. C'est jugé 2 ans après, etc. Donc moi, j'ai fait ma lettre ouverte au procureur de la République. J'ai dit, un journal, supposé Ouest France, dit, voilà, on a fait une enquête. Il y a un trafic de drogue, selon nos informations, dans tel bâtiment et tel espace, pas loin de la dalle, à Vigeon. Que fait le procureur de la République? Il est maître de l'opportunité des poursuites. Il lit ça dans Ouest France, le préfet lit ça, le maire lit ça. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une enquête préliminaire pour aller voir si c'est vrai ce qu'a dit Ouest France. Donc moi j'ai dit, vous le feriez pour un fait divers, comme ça, là. Vous n'auriez pas d'hésitation. Vous n'auriez pas d'hésitation, y compris dans le préjugé, quartier populaire, trafic de drogue, etc. Je dis, mais attendez, là, moi, je vous montre un autre désordre social. J'affirme que le ministre du budget est lui-même un fraudeur fiscal, qu'il a menti les yeux dans les yeux à l'Assemblée nationale. Donc j'ai écrit cette lettre, qui a provoqué cette enquête préliminaire. Les policiers nous ont entendus, on a mis tous les éléments sur la table, ils ont fait leur enquête. Et ils ont dit, il faut ouvrir une information judiciaire, vous connaissez la suite, il a reconnu. Donc, c'est ça une information. Nous, on savait qu'il y avait un puzzle. Pour terminer, la bonne image d'une information fiable, c'est le fait que vous, journalistes, du côté des journalistes, vous avez une nouvelle importante, mais autour de cette nouvelle, vous avez plein d'autres choses, comme un puzzle. Complexe. Voilà. Et donc, on devine bien, à travers cette anecdote, comment ça se passe. Mais que c'est le travail du journaliste demande du temps, quand même, d'enquête, etc. Or, avec les réseaux sociaux, on partage tout de suite. J'aimerais bien qu'on envoie une fake news quand même, qui a fait du bruit dans Ouest France il y a quelques jours. Comment là, c'est un montage total des jeunes ont provoqué les policiers en sorte. Donc il y en a un qui est sorti de la fauteuil roulant pour provoquer les policiers, c'était un faux handicapé. Et il y a un frère handicapé, pour le coup, qui a été pris dans cette affaire. Et ça a été partagé, c'est une fake news qui a été partagée selon le journal, 1 million de vues. Sur ce coup-là, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que les gens partagent tout de suite comme ça? C'est l'émotion, on est d'accord? C'est le réflexe? Oui, mais il y a plein de politiques qui partagent plein de bêtises, plein de... Le sujet, c'est quand même comment partager des informations fiables. Oui. Donc c'est comment on doit se comporter. Comment, nous, sur les réseaux sociaux, citoyens, comment on doit se comporter? Alors moi, ma réponse, mais je vais prêcher pour nos paroisses, c'est de s'interroger sur l'émetteur, toujours. Alors pardon? Non, je demande à la collègue de la deuxième proposition, parce qu'on a listé des solutions dont il ne faut pas tout de suite. On va se continuer. Identifier l'auteur du message. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que, voilà, il y a, moi je parlais, qu'est-ce que c'est qu'une information
fiable, c'est ce travail de vérification, de recoupement, de complexité de la nouvelle et de l'information. Ça, c'est le travail que nous faisons. Et par ailleurs, quand on se retrouve sur les réseaux sociaux, en effet, il faut d'abord se dire d'où ça vient. Il faut d'abord se dire qui émet. Il faut se interroger sur le compte. Il faut aller voir quel est le compte. Ce recoupement, en même temps, comment dire, justement, c'est ça qui est formidable. Le numérique, c'est cette possibilité de faire en immédiateté la diffusion de choses effroyables, de propagande, etc. Et en même temps, par le lien hypertexte, c'est un lieu de mémoire, le numérique. On peut retrouver l'ancienneté d'un profil. Donc c'est pas forcément très compliqué de remonter. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, attention dans la démagogie contre les journalistes que font beaucoup de politiques, ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on remonte la mémoire. On dit, tiens, il dit ça, mais avant, il ne disait pas ça. Tiens, il partage ça, mais avant, il ne disait pas ça. Je vais prendre un exemple. Voilà, les protestations de Jean-Luc Mélenchon sur quand la justice s'intéresse à lui, il n'avait pas du tout ces protestations quand elle s'intéressait, et c'était le parquet, à François Fillon. Donc on lui a rappelé. On lui a rappelé. C'est ça une presse indépendante. En clair, il faut... C'est comme... Comment dire? C'est pas le... Avant, vous alliez dans votre kiosque et vous décidiez dans quel journal vous aviez confiance. Mais je pense que sur les réseaux sociaux, il faut aussi décider en quoi j'ai confiance. Donc ça pose le problème de la confiance. Mais bien sûr, c'est la question essentielle. Dans les médias. Mais bien sûr. Et donc, il y a cette méfiance qu'il y a, qui est même généralisée vis-à-vis des médias, comment l'affronter en fait? Ah ben en faisant ce qu'on a fait, en se remettant en cause, en descendant dans l'arène, en considérant que ça ne va pas de soi, en considérant, c'est pas, tiens, je suis journaliste, vous devez avoir confiance en moi. C'est quoi un journal comme Mediapart? Ben, c'est un journal qui rend des comptes à son public. Pourquoi? Parce qu'il est participatif. Donc quand il y a un malentendu, on est interpellé. On doit rendre des comptes. Vous êtes souvent interpellé. Ah ben, il y a la diversité du public de Mediapart, fait que selon le type de nouvelles que l'on publie, il y a des gens qui sont contents, des gens qui ne sont pas contents. Et puis parfois, il peut y avoir des malentendus liés aussi aux campagnes dont nous faisons l'objet. Puisque comme on est un journal indépendant, il y a souvent des rumeurs, des calomnies, des choses comme ça. Et puis parfois, il y a aussi le fait que tout le monde n'a pas la mémoire. Donc tiens, Mediapart sort ça. Ah mais, est-ce qu'ils ont fait ça? Ils sont à charge d'un côté, est-ce qu'ils l'auraient fait de l'autre? Donc il faut aussi expliquer comment on travaille. Souvent sur le journalisme, pour moi, un journal multimédia comme Mediapart, c'est la possibilité de soulever le capot. Vous lisez un journal, il vous plaît, il vous plaît pas, telle nouvelle vous plaît ou vous plaît pas. Avec un journal comme le nôtre, vous pouvez aussi avoir des réponses sur comment on a fait, comment on a travaillé. Et ça, en clair, ce que je veux dire, c'est que avoir la confiance du public, c'est une bataille. C'est à nous de la conquérir. C'est pas... Et il est normal qu'il n'ait pas confiance en nous. Je termine juste par une image. Il y a une crise de la représentation. Est-ce que les élus nous représentent? Ils demandent nos voix et après ils font autre chose. Mais le mot représentation a un double sens. Celui qui me représente comme une délégation de pouvoir et les médias qui nous représentent comme un miroir. Et comme ce miroir est un peu partial souvent, un peu déformant, hélas, il y a une crise de la représentation là aussi. Donc les journalistes doivent, comme ce qu'on fait là, doivent descendre, s'expliquer, accompagner, écouter. Je prends l'exemple des gilets jaunes. Tout le monde a peut-être son point de vue sur les gilets jaunes. Il y a plein de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai dit à Mediapart? J'ai dit d'abord, on va voir. Je vais donner un autre exemple. C'était dans ma vie professionnelle précédente. Il y avait la grande grève des cheminots de 95 sur la réforme Juppé sur les retraites. Grande grève, le pays bloqué. Au Monde, qui n'était pas le journal que j'ai créé, c'est un journal qui avait son histoire. Les éditorialistes économiques, politiques, ils étaient très cercle de la raison. Juppé a raison. Il faut que le peuple entende. J'ai dit, vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez. C'est vos opinions, votre point de vue. Mais l'honneur de notre journal, c'est d'abord d'aller comprendre pourquoi des gens si massivement sont contre.
Et à ce moment-là, j'ai dit, on va faire parole 2. J'ai dit à des reporters, vous faites parole 2. C'est-à-dire, vous ouvrez les guillemets. Ce qu'on fait d'ailleurs sur les carrefours, là, des gilets jaunes. Bon, et on voit la complexité, la diversité. Vous pouvez voir lire ça sur Mediapart. Après, il y a quel sera l'avenir de ce mouvement politiquement, où va-t-il, quelles sont les forces politiques qui sont dedans, etc. Ça, c'est aussi une autre dimension. Mais déjà, comprendre qui sont les gens qui font ça et pourquoi ils le font. Voilà. Bien, on passe une pause. Merci.